Éléazar, à quoi tu pensais quand t'as envoyé ces photos à tout le monde? Tu croyais qu'il allait se passer quoi? T'as ruiné ma vie. T'as aucune idée du mal que tu as fait, aucune idée. C'est difficile de prouver que ton ex a volé ton kit. Mais regarde, j'ai des emails, des messages, des témoignages de mes proches et de mes collègues. Même si tu rassembles des preuves, ce sera un procès long, compliqué et coûteux. Je te dis ça en tant qu'avocat et en tant qu'ami. En fait, tu n'as pas beaucoup de chances de gagner. Donc tu veux que je laisse tout tomber? Que je le laisse plagier mon idée? Désolée Renata, tu m'as demandé d'être honnête. C'est pas juste. Il doit y avoir un moyen de prouver que ce projet est le mien. Écoute, garçon, je vais être très clair avec toi. Si tu veux te faire de l'argent facile, t'as deux options. Ou tu vends des stéroïdes, ou tu proposes des entraînements personnalisés. Ah non, attends, mec. Le premier me fout les jetons. Quoi? Et le deuxième? Je peux pas, j'y connais rien à ça. S'il y en a pas besoin, évidemment que je le ferai, bien sûr. Déconne pas, mec. Il y en a plein qui le font et qui n'y connaissent rien non plus. C'est bon, mec, fais pas ta mauviette. Regarde la dame là-bas. Quoi? Elle cherche un entraîneur. T'en penses quoi, hein? En fait, à Labo Ancestral, je n'avais été promue que récemment. Je suis très motivée par ce travail. Bien. On dit que vous n'avez pas gagné cette position grâce à votre travail, vous me comprenez, n'est-ce pas? Et vous, vous croyez tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Que dire? Si un jour, avant son mariage, quelqu'un s'en mêle avec un supérieur, je suis sûr que c'est parce qu'il y a un avantage professionnel en jeu. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Je trouve incroyable que pendant un entretien d'embauche, vous vous laissiez influencer par des ragots et que vous me jugiez sans même me connaître. Mais vous n'êtes pas non plus une inconnue. Vous avez été interviewé à la télé et je suis sûr que beaucoup de gens du milieu vous ont vu, tout comme je vous ai vu. Donc vous donnez plus d'importance à un ragot qu'à un CV plein de réussites professionnelles? La vidéo est là et elle parle d'elle-même. N'importe qui peut créer un CV, donc dans cette entreprise, en tout cas, il n'y a pas de place pour vous. Et pourquoi m'accorder un entretien? C'est mon assistant qui l'a programmé, pas moi. Et j'allais pas m'enlever le plaisir de rencontrer la biologiste la plus célèbre de tout le Mexique, vous ne croyez pas? Et sans même prévenir. Quelle grosse... brute. Il m'a donné une gifle. Il ne m'avait jamais frappée. Jamais. Ça a dû être terrible, ma petite Carmen. Mais réfléchis-y, c'était juste une gifle. Je suis sûre qu'Heriberto est désolé. Je me suis sentie... vraiment humiliée. Comme je ne l'ai jamais été de ma vie. Je comprends. Mais franchement, c'est pas si grave. Il y a d'autres hommes qui sont très violents. Et ton mari n'en fait pas partie. Pas de vice, pas d'alcool... ou autre cochonnerie. Souviens-toi qu'il a toujours été fiable. Il a toujours subvenu à vos besoins. Et en dehors de ce petit détail, t'as pas à t'en plaindre. Enfin, il a ses petits secrets. Mais tous les maris en ont. C'est un fardeau qu'on doit toutes porter. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne sais pas... si je suis prête à en tolérer davantage. Oh, ne dis pas ça. Tu sais, la nuit dernière, je me suis dit... que je devais peut-être le quitter. Donc je vais trouver le bon moment pour lui dire... T'as perdu la tête? Attends. Donne-toi le temps d'y réfléchir. Ou en tout cas, vous pouvez tous les deux aller consulter un conseiller conjugal. Ou essayer une thérapie de couple. Sauve ton mariage.
C'est à ça qu'a servi cette petite gifle. Elle m'a ouvert les yeux, tu vois. Et je te jure que ça me les a bien ouverts. Moi, je ne veux pas continuer avec Heriberto. Non, plus maintenant. Quelle partie de « J'ai fait cette vidéo rien que pour toi » n'était pas claire pour toi? En la diffusant, tu as ruiné mon existence. Oh, chérie, je sais dans quelle langue te demander pardon. Maintenant, arrête d'être en colère contre moi. Au final, t'as rien perdu, au contraire. Tout le monde parle de ta vigueur, de ta virilité. Eh bien oui, c'est vrai, je vais pas le nier. Exactement. Alors, au lieu de râler, profitons de ce temps. Non, 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 Anna, je ne veux plus me disputer avec ma femme. Je comprends pas comment tu peux encore être avec cette femme, hein. Tu peux m'avoir, moi. Quitte-la, maintenant. Imagine la vie qu'on aurait, toi et moi. On ne dormirait jamais. Mais non, poupée. Non. Réfléchis-y. Et plus tard, tu me diras si c'est oui ou non. En plus, si t'es d'accord, on pourrait aller faire un tour à la plage. Imagine toi et moi. J'ai pas le temps de faire de petits voyages en ce moment. Réfléchis-y. Si on partait, tu pourrais décompresser de tous tes problèmes, de ton stress, de cette pression. En plus, le voyage sera presque gratuit pour toi, chérie, parce qu'avec mon travail, j'ai de grosses réductions sur les vols et les hôtels, tout compris. Je sais pas, la nuit porte conseil, mon chéri. Tu me coupes la route, espèce de petit voyou débile de mes deux. Désolé, je vous ai pas reconnu, désolé, à propos du débile de mes deux, et encore plus pour le petit voyou. T'as l'argent du boss sur toi. Non, j'ai déjà parlé à Don Zakaria, et il m'a donné plus de temps pour le payer. Sors de la voiture. Non, en fait... J'ai dit sors. Non, attends. Sors de la voiture. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, papy, Don Zakaria va récupérer une partie de ta dette avec ton épave. Non, mon épave, non, c'est avec ça que je me déplace, tu vois. On peut faire ça et encore pire. Allez! Si vous connaissez des postes libres, des emplois, n'importe quoi, dites-le moi, s'il vous plaît. T'avais pas un entretien aujourd'hui? Si, mais ça n'a rien donné. Et je sais pas ce que je vais faire. Le prends pas mal, mais... On parlait justement du fait que, très probablement, personne ne voudra t'embaucher pour l'instant. La vérité, c'est que la vidéo t'a vraiment touchée. Ça, en plus, tout le monde savait que t'étais fiancée et que la personne que t'as embrassée était ton supérieur. Et qu'Alonzo a cassé avec toi à cause de ça. Et puis, tu sais, c'est très difficile d'avoir la bonne réputation que tu avais. Mais avoir une réputation de traînée, ça c'est facile à avoir. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas non plus à comprendre comment cette vidéo est allée aussi loin. Ça tue vraiment mon avenir professionnel. Je suis censée faire quoi? Dire adieu à mon travail, à ma vie ou quoi? Non, on le prend pas comme ça, Ren. Écoute, ça durera pas éternellement. Aujourd'hui, c'est toi qui es devenue virale, mais peut-être que demain, la même chose arrivera à quelqu'un d'autre et que tout le monde te laissera tranquille. Laisse passer l'agitation, c'est tout. Donne-toi du temps. Vous savez ce que j'aimerais? Que la personne qui a enregistré le baiser et mis en ligne la vidéo, qu'elle sache qu'elle a détruit ma vie avec ce qu'elle a fait. Le maudit hashtag Fabiola Tyran est devenu viral. Je pensais qu'ils allaient vite oublier, mais quelqu'un a pensé à critiquer Biogenelab parce qu'on n'embauche pas de femmes scientifiques à des postes importants dans l'entreprise. De toute évidence, ça n'a pas aidé. Je vois ça, et le vlink non-stop. Regarde, revlink, revlink, revlink. Maintenant, ils ont pris l'initiative de me mettre en pièce parce que d'après eux, je suis obligée en tant que femme, tu entends bien, obligée de profiter de ma situation pour embaucher des femmes. Je te recommande d'envoyer un vlink disant qu'ils ont tout sorti du contexte. Oh, c'est déjà une tendance. Natalia, aide-moi, sauve-moi de cette erreur. Nous devons trouver Ariana Lopez et lui dire que tu acceptes toujours d'être interviewée. Oui, comme tu veux. Allez, allez. Il est
papa et maman m'ont jeté à la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nos parents fassent ça? Oh, Marie-Louise, ne me laisse pas comme ça. Ça a un rapport avec l'université? Ou avec Eléazar? Je te raconterai plus tard. Là, je dois voir où je vais passer la nuit. Va chez ma voisine et demande-lui le double de clé que je lui laisse toujours. C'est vrai? Ma sœur, je te jure que tu me sauves. Mais quand je reviendrai, tu me raconteras tout en détail, hein? Je te le promets. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te laisse. Je t'aime. Ravie de te rencontrer. Je suis Ariana Lopez. Il n'y a pas besoin de te présenter, Harry. Tout le monde te connaît maintenant. Crois-moi, j'admire beaucoup ton travail et je suis honorée de te recevoir ici. Ah, je te remercierai jamais assez pour avoir pris du temps pour nous dans ton agenda, Ariana. Je suis vraiment désolée de t'avoir causé des problèmes. Non. Ne t'inquiète pas. Malheureusement, je n'ai pas autant de temps que je l'aurais souhaité. Il n'était pas intéressé pour me donner un entretien. J'ai tout reprogrammé et je suis sur le point de terminer mon reportage. Ah, désolée pour toi. Je t'ai fait comprendre que je serais ravie de te recevoir, mais tu sais comment sont les secrétaires. On n'a pas dû se comprendre. Hein, Natalia? Oui. Les garçons, je suis prête. Tu me dis quand on commence? Très bien. J'ai l'air bien? Merci. Je voudrais être à mon avantage lors de l'entretien. Tu es superbe. Mais tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas dire. C'est bon, c'est fait. Hey! Quoi? Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oui, je te laisse entrer, mais dès que tu me diras c'est combien, dis-moi combien tu me fais payer, on va régler ça tout de suite. Tu sais pas à quel point j'ai envie d'être avec toi, petite fille. C'est quoi ton problème? Ne joue pas les innocentes, gamine. Si tu cherchais pas un homme, tu serais pas là à montrer tes photos nues et à montrer tout ce que tu sais faire. Mais pousse-toi de là, calme-toi. Maintenant calme-toi. Arrête tes conneries et dis-moi combien pour la formule complète, les billets que j'ai. Attends. Je vais t'attendre là, mais je t'aurai, je te le jure, tu vas voir ce dont je suis capable. Bien que l'entreprise appartienne à ma famille, j'ai commencé il y a 7 ans en tant qu'assistante. C'est pourquoi le fait d'arriver à ma position a son mérite. Et c'était pas facile en fait, mon père a rendu les choses assez difficiles pour moi. J'ai fait des recherches sur le secteur du commerce et je crois que tu pourrais être un exemple pour de nombreuses femmes grâce à ta position de leader. Encore plus dans ce secteur qui est généralement dirigé uniquement par des hommes. Bien sûr, Ariadna. Les temps ont changé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les femmes au pouvoir, tu comprends? Oui, parfaitement. Je suis donc frappée par le fait que le seul poste clé occupé par une femme dans Biogenelab soit le tien. Tu peux nous expliquer pourquoi? Bien sûr! Nous sommes en train de restructurer les laboratoires et nous aurons une extension du domaine de la bioinformatique. Après cela, il y aura une équité dans les postes de direction parce que, comme je te l'ai dit, je suis en faveur de l'égalité homme-femme. Bien sûr, mais j'ai aussi vérifié la main-d'œuvre et il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes scientifiques qui travaillent dans ton entreprise. Et c'est pas non plus ma faute si les femmes intéressées par les sciences ne sont pas si nombreuses. Je les embaucherai toutes, mais il n'y en a pas beaucoup. Je fais ce qui est en mon pouvoir, tu vois. Selon les statistiques, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses, et surtout ces derniers temps. Mais désolée, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a vraiment frappée dans un de tes blinks. Il est dit, pour être une femme, tu dois être plus viril qu'eux. Esprit froid et calculateur, pas de sensibilité féminine, la femme au pouvoir doit être une dame de fer. Et qui dit que j'ai envoyé ce Vlink? Non, pas que je me souvienne. Si, regarde, tu peux le lire. Ah oui, maintenant tu m'as vraiment perdu. Voyons voir. Laisse-moi, oui, bien sûr. Je vais vérifier. C'est si grave que ça? T'imagines même pas. Il y a des gens qui viennent sur mon profil, ils croient qu'ils ont le droit de m'écrire, ils m'envoient les pires grossièretés et même des conseils, comme si je les avais invités à donner leur avis sur ma vie. T'as qu'à fermer tes réseaux sociaux et arrête de lire autant de conneries, parce que ça ne va pas se terminer en un jour, tu sais. Mais non, je sais. Mais je ne vais tout de même pas me cacher des réseaux, aujourd'hui plus que jamais. On a besoin d'eux pour travailler, vous voyez? Que je le veuille ou non, maintenant je regarde même les offres d'emploi qui sont dessus. Bon, allez, maintenant ça suffit, Renata. Il me faut un cintre. Tu étais énervée, laisse ça de côté pour l'instant et essaye de te détendre. Et puis, on va bien voir ce qu'on peut faire, hein? Il me reste une partie de mes indemnités. Mais je me sens pas confiante. L'argent s'écoule comme de l'eau entre les doigts. J'ai vraiment besoin de trouver un travail maintenant. Bonsoir, la famille. Salut. Coucou. Alors, comment vous allez? Quoi de neuf? Vous avez mangé quoi? Tout va bien? Allez, je mets un peu de musique et on danse ou quoi, hein? C'est un peu bizarre. Il s'est passé quelque chose? Et pourquoi tu dis ça? Tout est parfaitement en ordre.
Pourquoi tu n'as pas rentré la voiture à l'intérieur? Je ne t'ai pas entendu ouvrir la porte. La voiture, mais oui, tu veux dire la voiture... Ben oui, la voiture, quoi. Elle est en panne, qu'est-ce qui se passe, papa? Oh, je savais qu'un jour cette satanée épave te lâcherait. Non, 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 qu'est-ce qui va pas chez toi? Non, 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 mon épave tient toujours la route, elle est en un seul morceau. T'as quand même pas été agressé, on t'a pris la voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, c'est pas possible. Dis-moi, quelque chose ne va pas. Papa, tu vas bien? Tu as été agressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je voulais dire, c'est dans l'autre Vlink. Pourquoi tu le cherches pas? Pourquoi n'acceptes-tu pas simplement que tu as envoyé un Vlink complètement machiste et misogyne? Tout d'abord, définis-moi machiste et misogyne. C'est ce que tu as Vlinké? Écoute, s'il te plaît, j'ai jamais Vlinké ça. C'est juste que... Coupe, je pense que c'est la fin de l'entretien. Mais pourquoi? On vient juste de commencer. Je pensais que tu étais un autre genre de personne, que tu allais être honnête avec moi, et ce n'est pas le cas. Ah oui, et c'est quoi l'honnêteté pour toi? Écoute, Fabiola, ce n'est pas personnel. Ta façon de procéder n'est tout simplement pas en phase avec mon reportage. Alors quoi, tu vas transmettre la mini-interview que tu viens de faire avec moi ou pas? Non. Et pas par égard pour toi, mais parce que mon reportage porte sur les femmes qui soutiennent les autres femmes. Et ne te vexe pas, il est clair que tu n'es pas un exemple de solidarité. Tu dis que je ne dois pas m'offenser, mais tu m'insultes. Non, 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 non. Je ne ferai jamais un truc pareil. J'explique simplement pourquoi on ne va pas continuer cette interview et pourquoi je ne publierai pas tes commentaires. Mon intention n'est pas de te contrarier. J'ai réalisé ce projet pour montrer au public qu'il existe des femmes qui réussissent dans le monde professionnel et qui peuvent être une source d'inspiration pour les autres. Et tu sais pourquoi? Pour avoir été un exemple de sororité, mais malheureusement, tu es tout le contraire. C'est pour ça que je préfère arrêter ici. Nous ne pouvons pas perdre notre temps. Merci. Allons-y. Tu le crois, ça? Cette femme est complètement dérangée. Eh, dis sérieusement. T'as aucune idée de qui a pu publier la première vidéo? Figure-toi que j'y réfléchis depuis hier. Je crois que je sais qui ça pourrait être. Mais je dois être sûr de ne pas faire d'erreur. Je vais aux toilettes. Chanceuses sont toutes celles qui partagent le monumental Heriberto. Je suis sûre que sa femme n'est pas à la hauteur. Et c'est pour ça que Lord Séducteur doit chercher d'autres femelles. Me voici encore plus humiliée. Oui, allô, j'écoute. Tu ne peux pas deviner? Froid, froid. Ah, ici chaud, chaud, chaud. Je suis celle à qui on a dédié le monumental. C'est le summum de l'abomination. Comment oses-tu m'appeler? Je vais raccrocher tout de suite parce que je suis une femme décente et que je ne parle pas aux voleuses de mari. Non, madame, je ne vous ai rien volé. Ce qui se passe, c'est que je suis une grande femme qui attire un mâle du calibre de Riberto. Il est clair qu'à la maison, le pauvre homme a une vieille épave qui ne peut pas satisfaire les besoins de son homme. Cette question, bon sang, par pitié! La voiture n'est pas en panne, ils ne l'ont pas prise, ni rien. Bah voyons, je suis sûr que tu l'as vendue pour payer tes dettes. J'ai fait bien pire que ça, il y a quelques mois. J'ai emprunté de l'argent à Don Zaccaria. Oh non, papa, comment t'as pu faire ça? Tu sais à quel point il est célèbre. Pourquoi t'es allé chez cet usurier? Je sais que c'était une chose stupide à faire. Mais j'avais pas le choix. Bien que mauvais, je suis l'homme de la maison et j'ai toujours donné l'argent et acheté mes propres choses. Quand la crise a frappé, j'ai demandé de l'argent pour sauver la papeterie, mais ma petite entreprise s'est cassée la figure. Et comment exactement tu comptais rembourser le prêt? Par le travail. Je me suis accroché au fait que j'étais sûr de pouvoir remettre le magasin sur pied. Et pour qu'il crache l'argent, je lui ai laissé la facture de ma voiture sous garantie. Alors Zaccaria te l'a pris? Bah oui, oui, oui. Elle est déjà plus à lui qu'à moi.
Et ne pense même pas que j'ai fini de le payer, hein, parce que ce vieux mendiant facture des taux d'intérêt si élevés que si je ne le paie pas bientôt, je vais lui devoir mon sourire. Bon, ok, papa, d'accord. Mon pauvre Camillo. Comment ça, mon pauvre Camillo? Oh, tu m'as fait peur. Ce vieux débile, tu veux dire? Je suis endetté jusqu'au cou parce que je suis trop stupide et naïf. Et pourquoi diable est-ce que tu ne m'as rien dit? Parce que tu étais très doué pour me reprocher que... Oh, Renata nous aide avec son salaire. Ah, mais pour toi, tu as gardé le silence, hein? Ne le tourmente pas non plus. Tu nous as dit toi-même qu'on devait se soutenir. Maintenant, je sors chercher du travail. On en a besoin plus que jamais. Parce qu'à propos de Zacharia, c'est pas seulement le problème de mon père, c'est le problème de toute la famille. Et c'est un problème que nous pouvons résoudre ensemble. Ma chérie... Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tête? T'as vu un fantôme? Dis-moi où tu vas. À quelques rues d'ici, chez ma sœur. Ah bon? Je vais te montrer où c'est, je vais aussi là-bas. Au fait, désolé pour ce que je t'ai dit l'autre jour. Je te jure que c'était pour déconner. Et crois-moi, c'était une vraie saloperie ce que ce trou du cul d'Eléazar t'a fait, je te jure. Merci. Regarde, il y a un raccourci par là. Il fait à moitié nuit, pourquoi on reste pas sur le chemin habituel? Ah, n'aie pas peur, Marie-Louise, j'y vais avec toi, il va rien se passer. Ok? Allez. Avec tout le respect que je te dois, t'étais vraiment bien fichu sur ces photos. J'avais jamais imaginé que tu avais un si beau corps. Je crois que j'ai oublié quelque chose au mini-supermarché, je dois vite y retourner. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Laisse-moi tranquille. J'ai envie d'en profiter en direct. Lâche-moi, dégage, non. Tu fais quoi? Diego. Va-t'en, Diego, s'il te plaît. Aidez-moi, aidez-moi, dégage. Et non, la technologie et les informations n'aident pas toujours les gens à devenir de meilleures personnes. Parce qu'il y en a qui sont encore si primitifs qu'ils imitent même les mauvaises choses qu'ils voient sur le net. Utiliser les réseaux sociaux pour vous moquer, exposer ou nuire est un acte de lâcheté. Ne publiez pas sur les autres ce que vous ne voudriez pas qu'on publie sur vous. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar.